Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Cela est dit par le futur président de la République du Congo, M. Bertrand Kisongo. Tout le monde est d'accord. Brazza Paris Info, l'émergence ne se décrète pas, mais se construit. Et c'est pour cela que ma priorité, c'est la jeunesse. Et quand je m'engage, c'est pas forcément comme certains pour dire ça sous-dégage, c'est pas forcément dans cette optique-là. Mais c'est pour dire, moi, Bertrand Kisongo, en quoi puis-je être utile pour le pays de ma tendre enfance? Qu'est-ce que je peux apporter? Monsieur Kisongo, s'il vous plaît, il y a certains opposants qui disent que cette paix que le président Denis Sassou Nguesso crie haut et fort, c'est lui qui est à l'origine des troubles au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous répondez à ces... C'est pour ça que je ne suis pas forcément d'accord avec le président Denis Sassou Nguesso, surtout. Aujourd'hui, à propos de leaders de l'opposition, tu sais, M. Aristide au BBC, beaucoup de ces gens qui se disent opposants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peut-être été écartés d'un poste et puis ils sont devenus des opposants. Et moi, je suis un candidat qui n'est pas dans le système. Eux, ils sont dans le système. De quoi est-ce que le budget là, parce que 25 millions, yo reçoit un dengue nini, nous avons sponsorisé, nous avons repris son bon wana, la Facebook va le dire que yo peut des choses en guérisé, vieux dengue es papi Sassou a lingi que Batoumingba ma va candidat pour n'ayez à la vainqueur en premier tour. Qu'est-ce que vous répondez aux internautes qui vous accusent d'être en guérisé, d'être un candidat du système? Surtout en pensant à la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les antivaleurs, les jeunes ont un avenir, je peux dire, hypothéqué. Et c'est pour cela que ma priorité, c'est la jeunesse. Et avant que tout cela puisse se mettre en place, Monsieur Aristide Mobebisi, il faut une stabilité politique. Là, je rejoins un peu le président Denis Sassou Nguesso, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit, mais sans stabilité politique, mais les entreprises ne peuvent pas venir chez nous, Aristide. Là, nous avons été moto à ça, les fichiers naïés, taillés sur mesure, et les fichiers où on a pas battre. Non, et Coco, ça m'a paix. C'est dans ce sens-là qu'on se dit, bon, papa s'assoit à l'objet, toi qui n'es pas à l'élection, mais toi qui n'es pas à l'affichier naïé, mais toi qui n'es pas. Donc si bah on a bas bois là-bas, on va mettre ça là-bas, bim à mingi, peut-être qu'il y a pétrole, peut-être qu'il y a ma baya, peut-être qu'il y a massa, peut-être qu'il y a ça là-bas, bim à mingi. Mais kaka sam nan chimaïm ya bantu ya kaka, bim à qu'il y a kubonga kavi. Ben ça la confiance à mounou, si ben voté mingi sam nan candidature à mounou, ben geta la, mampou ke changer na bois la beto, et bois la beto ke kwena na mantoua. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord, votre site de référence www.brazza Paris Info. Dans notre émission Vérité Polélé Polélé, nous avons le plaisir de recevoir M. Bertrand Kisongo. Bertrand Kisongo, c'est le candidat de la diaspora à l'élection présidentielle. Bonsoir M. Kisongo. Bonsoir M. Aristide Mobebisi. La diaspora vous écoute, le Congo Brazzaville vous écoute, tous les Congolais de l'étranger, ils vous écoutent. Nous voulons savoir pourquoi vous vous êtes levé un matin, posé la candidature à l'élection présidentielle. Tout d'abord, je te remercie, mon frère Aristide Mobebisi, de t'être déplacé jusqu'ici dans ce restaurant parisien de la place Vendôme, où j'ai mes habitudes, pour essayer d'éclairer un peu la diaspora congolaise sur la raison de ma candidature. J'ai lu sur les réseaux sociaux
qu'il y a beaucoup de bruit, les gens sont en train de dire beaucoup de choses tout autour. On a vu avec les événements qui se sont passés sur le référendum concernant le changement de la Constitution, je me suis levé pour dire que je ne voulais pas de cela, comme la diaspora en général. En se levant, ben c'était tout simplement pour essayer de sauver la démocratie. Parce que selon ma conception, le démocrate que je suis, je me suis toujours dit que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Or, ce référendum, il a mené à quoi? La suite du référendum, c'est un autre mandat pour le président Sassou, qui n'a en principe plus le droit de se présenter. Et c'est pour cela que je me suis levé pour militer contre ce référendum. Et s'il fallait le refaire, je devais le refaire encore aujourd'hui. La Constitution, finalement, a été votée. Le référendum a été voté, la Constitution promulguée. Et cette Constitution, aujourd'hui, donne une part belle à la diaspora qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, pour se présenter à une quelconque élection présidentielle au Congo, par exemple, il fallait résider un certain nombre de temps au pays. La nouvelle constitution, bien qu'il y a certains articles à polémique, cette constitution dit que la diaspora peut enfin s'exprimer. Vous vous rendez compte, monsieur Aristide Mobibisi, nous sommes une des rares diasporas au monde qui n'a pas le droit de vote. N'ayant pas le droit de vote, je me suis dit, bon, si cette constitution permet qu'on puisse se présenter, mais c'est l'occasion aussi de faire passer un message. Dire, il faudrait par exemple que les choses changent. Nous voyons de l'extérieur beaucoup de choses que les gens qui sont à l'intérieur ne voient pas certainement. Nous avons une certaine expérience au niveau de la diaspora que nous voulons faire valoriser aussi sur place. Donc, c'est par rapport à toutes ces raisons, je me suis dit, bon, et surtout en pensant à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les antivaleurs, les jeunes ont un avenir, je peux dire, hypothéqué. Et c'est pour cela que ma priorité, c'est la jeunesse. Et quand je m'engage, c'est pas forcément comme certains pour dire ça sous dégage, c'est pas forcément dans cette optique-là, mais c'est pour dire, moi, Bertrand Kissangou, en quoi puis-je être utile pour le pays de ma tendre enfance? Qu'est-ce que je peux apporter? Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders de l'opposition. Ben, tu sais, monsieur Aristide, au BBC, beaucoup de ces gens qui se disent opposants aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peut-être été écartés d'un poste et puis ils sont devenus des opposants. Et moi, je suis un candidat qui n'est pas dans le système. Eux, ils sont dans le système. Et je peux vous rassurer, depuis que j'ai dit que je voulais me présenter, il y a une équipe qui a commencé à travailler autour de ma candidature au niveau du pays. On a élaboré, vous voyez, ce genre de fiche qu'on appelle le club d'amis de Bertrand Kissangou. En un laps de temps, les gens avec des meneurs d'hommes sont partis dans différents endroits de la ville. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 13 000 personnes qui ont rempli ces fiches. C'est-à-dire qu'on sent que les gens, ils veulent du changement. C'est-à-dire que quand les meneurs d'hommes, ils arrivent sur le terrain, ils disent, bon, écoutez, bon, il y a un potentiel candidat qui habite en France, il est engagé aussi politiquement là-bas depuis des années, il fait aussi des actions, il est président d'association, voilà ce qu'il prévoit, par exemple, pour la jeunesse. Est-ce que vous pensez qu'on peut lui faire confiance? Voilà ses idées. Et les gens, ils remplissent. Et aujourd'hui, c'est pas pour l'instant, c'est les clubs d'amis de Bertrand Kissangou. Mais si c'était un parti politique, mais c'est comme ça que les gens, ils adhèrent. C'est parce que tout simplement, les gens, ils veulent du changement. Ils veulent du renouveau. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Et je m'engage, et non pas pour perdre, je vais pour gagner. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Nous allons marquer une courte pause, s'il vous plaît. Merci d'être scotché sur votre site de référence www.brazaparisinfo, Fimbona, Fimbo, Gaz, Nagaz. Tout ça toujours, on a invité Nabisso, Bertrand Kissangou, futur candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Monsieur Kissangou, s'il vous plaît, Kissangou, votre projet, le projet de l'ancien président, du président Denis Sassou Nguesso, c'est le chemin d'avenir.
Je ne sais pas les résultats. Je ne sais pas s'ils sont probants ou pas. Jusqu'à présent, nous n'avons pas l'eau et l'électricité au Congo-Brazzaville. Donc quand tu dis ça, tu deviens opposant. Et vous, votre projet est lequel? Une fois de plus, monsieur Aristide, je te remercie. Concernant mon projet, déjà, je veux dire aux politiques du Congo, non seulement au Congo, aussi dans plusieurs pays d'Afrique, où on parle de l'émergence en ce moment. On dit l'émergence à l'horizon 2025, tout ça. Mais l'émergence, Aristide, mon bébé, si, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas un slogan, l'émergence. Il faut des mécanismes pour cette émergence. Et c'est pour cela que dans mon projet, j'ai mis un accent particulier sur l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout, Aristide Mobébissé. Avec l'éducation, on fait tout. Et je prends souvent l'exemple d'un pays comme le Maroc, qui n'a pourtant pas autant de ressources que nous, par exemple, au Congo-Brazzaville. Mais pourtant, le Maroc n'est pas émergent. Mais quand vous arrivez au Maroc, ça n'a rien à voir avec Brazzaville. C'est le jour et la nuit. Mais ils ont mis un accent particulier sur l'éducation. Ils ont formé les jeunes. Les jeunes ont été bien formés, qualifiés, des ingénieurs. Il y a une main-d'œuvre vraiment qualifiée. Le problème souvent au Congo, quand les entreprises viennent chez nous, deux fois ils viennent avec des gens qui viennent de l'extérieur, mais est-ce que ça veut dire que les Congolais ne peuvent pas faire la même chose? C'est parce que souvent, ils sont heurtés au fait que les jeunes ne sont pas qualifiés, ou on fait venir même deux fois de la RDC, ou deux fois de Chine, voilà. Donc c'est pour ça que dans mon projet, je mets un accent particulier sur l'éducation. L'éducation est la base de tout. Au niveau de l'éducation, le souhait serait de réformer le système éducatif congolais. Faire en sorte que nos programmes soient adaptés aux besoins des entreprises qui viendront chez nous. Et je continue toujours à parler de la jeunesse. Pourquoi? Mon frère Aristide Mobébissé, ça me fait mal de voir, quand je vais au pays, bon, la dernière fois que je suis allé, il y a bientôt peut-être 5 ans de cela, mais ça me fait mal plutôt de voir des gens de mon âge aujourd'hui, j'ai 40 ans, je mets sur ma 41e année, des gens de mon âge qui sont encore chez les parents. Parce que tout simplement, et il y en a qui sont diplômés, mais qui n'ont pas de travail. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Tout le monde veut faire la politique parce que pour tout le monde, c'est la seule issue maintenant. Alors qu'on peut former des jeunes sur plusieurs métiers, l'agriculture ou ailleurs. Donc dans mon projet, je veux faire en sorte que, qu'il y ait une fiscalité attractive, en faisant des grandes lignes en fait, que je suis en train de développer, une fiscalité attractive qui fera que les entreprises viennent chez nous, que les entreprises préfèrent venir par exemple au Congo que d'aller dans un autre pays de la sous-région. Une fiscalité attractive et avec une main-d'œuvre aussi qualifiée. Mais cette main-d'œuvre qualifiée, ça veut dire des gens bien formés. Il pourrait y avoir, par exemple, des contrats, même avec des entreprises françaises, il y en a avec qui je suis déjà en train d'échanger, pour faire en sorte qu'il y ait, par exemple, des contrats avec, par exemple, transfert de compétences, en faisant appel, par exemple, des jeunes qui viendront du pays, où on va les faciliter, par exemple, des visas. Ils viennent, ils font la formation, on signe un contrat, par exemple, avec la société, dès qu'elle va former ces jeunes, et à partir de ces formations, elle pourra après aller s'installer chez nous en employant ces mêmes jeunes. Ce genre, par exemple, de projet. Et quand je parle de la formation, il ne suffit pas que des jeunes diplômés. Il y a des jeunes aussi qui sont exclus du système scolaire et universitaire. Et ces jeunes-là aussi, on peut les former. Donc, un accent particulier sur l'éducation, la formation qui est la base de demain. C'est surtout cela, en amont, mon projet Aristide Mobébissé. Et puis bon, il y a d'autres points qui seront développés après. Mais moi, je me focalise aujourd'hui sur la jeunesse. Mais avant que tout cela puisse se mettre en place, monsieur Aristide Mobébissé, il faut une stabilité politique. Là, je rejoins un peu le président Denis Sassou Nguesso. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit. Mais sans stabilité politique... Mais les entreprises ne peuvent pas venir chez nous, Aristide. Monsieur Kisango, s'il vous plaît. Il y a certains opposants qui disent que cette paix que le président Denis Sassou Nguesso crie haut et fort
C'est lui qui est à l'origine des troubles au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous répondez à ces... C'est pour ça que je disais que je ne suis pas forcément d'accord avec le président Denis Sassou Nguesso, surtout. Je suis d'accord avec lui dans le fait que sans stabilité politique, les entreprises ne peuvent venir chez nous. Mais par contre, je veux dire aussi au président Denis Sassou Nguesso, qui est le père de la nation, que la paix ne se décrète pas. C'est pas parce que le président dit qu'il y aura la paix ou que la paix soit et que la paix, il y aura. Une paix, ça se construit dans le temps, par des mécanismes qu'on met en place. C'est-à-dire que le Congolais, chez lui, doit se sentir à l'aise. Il peut se dire aujourd'hui, bon, il y a quelque chose qui ne me fait pas plaisir, j'ai le droit par exemple de critiquer un politique ou par rapport à un article, comme ça se passe ici en France. Les politiciens, ce n'est pas des dieux, Aristide Mobibisi. Un politicien, c'est un serviteur. Le politique est là pour servir et non pour se servir. C'est cela mon leitmotiv. D'ailleurs, c'est pour cela, depuis 10 ans que j'ai pris ma carte au Parti Socialiste, parce qu'à cause des valeurs qui sont les miennes, de solidarité, du vivre ensemble, comment faire toujours pour aider les autres, apporter ma modeste contribution pour faire changer ou évoluer les choses. Et non pas faire de la politique, comme certains qui font de la politique, qui devient comme une raison de vivre, un travail. Si vous avez par exemple des ministres qui n'ont jamais travaillé, qui deviennent ministres, mais c'est pas surprenant que les gens s'accrochent au pouvoir. Donc on doit faire un travail de fond dans le changement de mentalité. Le changement de mentalité et surtout, Aristide Mobibisi, la culture du résultat. Cela manque au Congo. La culture du résultat. On donne un travail à faire à quelqu'un, il doit dire, comme on voit ici dans les entreprises, en France, dans le privé, ben, on te donne une tâche à faire, il y a une obligation de résultat. Mais ça, cela manque au Congo. Je veux un pays de l'excellence au niveau de notre jeunesse, avec de véritables valeurs. Et tout cela passe en amont par l'éducation. L'éducation, les jeunes bien formés, les jeunes bien éduqués. Et quand les entreprises viendront s'installer chez nous, elles trouveront une main d'œuvre qualifiée, que ce soit des ingénieurs et même des techniciens. Mais c'est comme cela que nous allons attirer des gens chez nous. Mais ça passe aussi par une stabilité politique. Ça, il faut le dire. Voilà. Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Tout ça, toujours on a invité Nabisso, Bertrand Kisangou. Mais maintenant, monsieur Bertrand, vous savez, dans notre émission, on parlait 3 langues, vu que le pays au nord, on parle Lingala. Au sud, on parle Kituba. Nous, on en parlait un peu en français. Bon, tu sais très bien que nous, Brazza Paris Info, nous, c'est plus la classe populaire. C'est pas l'élite. Donc, la maman qui est au marché doit, si elle veut voter Bertrand Kisangou, pourquoi elle doit voter Bertrand Kisangou? Il faut Merwana Yo comme message. Donc, Toko Tasko Nalingala, si qu'il y a 25 millions, yo rozoango ndenge nini, namota sponsorisé, namota repéré son bongoana, na Facebook, balobi que yo peut déjà en guérir. Vieux dengues, Papi Sassou, a lingi que Batouming Babi m'a candidat pour Nayaz à la vainqueur dans le premier tour. Qu'est-ce que vous répondez aux internautes qui vous accusent d'être un guérisé, d'être un candidat du système? Natondio Moninga Nanga Aristide. Déjà, Nga, Nazan Girizete, Nasalaka. Cela fait déjà au moins 15 ans que Nasalaka a un apoto. Nasalaka, na futakaba droit Nanga, na futakaba impôt. Et Oyebipe a un apoto, tout cela kanamo système moko, genre, ce que Olingi par exemple, Kosoma moi et loco, Ozupe moi crédit. C'est possible. Les 25 millions les abonnés. C'est quoi, dans les 38 000 euros? Voilà, tu peux te dire, bon, ça n'a économie, occupez-moi crédit, d'ailleurs. Et puis, en dehors de cela, tant que tu es là, campagne présidentielle, quand tu t'engages là-dedans, mais tu ne vas pas seul, Aristide Mobibisi. Tu ne vas pas seul. Il y a des gens tout autour de toi. Tu peux te dire, bon, Nganazana, par exemple, Nathan. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent se dire, ah, bon, par exemple, Nazana Baninga, par exemple, il y a Bamindele. Baningi, par exemple, qui a investi en Amboka, qui a créé, par exemple, ma société pour Naba jeune. Ils se disent, ah, ceux qui t'ont misé, na Bertrand Kisangou. Peut-être que ce qui a l'équipe, ce qui a commis Mokonzi, peut-être, ah, donc font la moi, ma société dans Mboka, comme projet, ils ont pour la base jeune, à couper sa moussa, la base jeune. Donc, si ce genre de société, ma société en dernier, on a misé la candidature en Nga. Et d'un autre côté aussi, ils peuvent se dire, bon, même ce qui a gagné, mais le fait qu'Azo. Mais comment ils ont un candidat qui a gagné? Voilà donc. Nous avons un exemple, parce que bon, il ne faut pas se leurrer. Hein, bah, élection, yango, en principe, ils ont là qui prévu le coup à Toulubaka. Ah, on a été, je crois que c'était le mois de juillet ou août. On a avancé les choses. Bah, tiens, on a mois à mars.
C'est un peu juste, il faut le temps pour se préparer. Il y a un problème pour l'instant, il y a fichier électoral, fichier soi-disant que Zama B, Batobati, Bakumo Nabango, Moko, gouvernance électorale. En un laps de temps, on ne sait pas si tout cela sera résolu. Mais d'un autre côté, je veux dire aux gens, Nani Omonite Moto a sali fichier naïe, taillé sur mesure et n'affiché ou n'appelé pas battre. Non, et Koko Salmapé. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on se dit, bon, papa s'assoit à l'obé, toi qui n'as pas élection, mais toi qui n'as pas affiché, mais toi qui n'as pas affiché. Mais quand on a fait Facebook, on a fait un débat entre les candidats. Il y a un candidat pour ou contre ? Il y a un pour. Et ça, dans la France, dans les États-Unis, il faut que tous les candidats se retrouvent. On dit, il y a un projet, il y a un projet, il y a un projet. Déjà, il y a un déjà dans le pouvoir. Basa la paix, moi, bilan na bango, mais non, biso, bato ya hors système, to koya pe na projet na biso, et gozala, mais non, débat contre débat, faut peuple amon na bozo proposer nini. Oh, bon, biso to sali boye, bon, yo sali yango, bon, admettons, tu crois que par exemple, Aristide, na pe si yo par exemple, équivalent ya 100 francs par exemple, CFA. Na 100 francs CFA, vous allez qui par exemple na possibilité à quoi ça la projet, admettons même il y a 90 francs CFA. Au sali projet à 10 francs CFA, et puis tu es fier, na sali, oh yo, na tongi, oh yo, alors que tu pouvais faire plus que ça. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Mais on a le système où ben nga communément au Congo sur facturation. Ça c'est même le sport national au Congo Brazzaville. On a tout le monde tout le barambo pour n'a mot que changer. Tout le barambo parce que toi contre moto. Maintenant yo ce que ce que ministre sali mosala ma béton yo comme président. Oko kangai oui ou non. Tout de suite, le problème actuellement dans Mboka Nabiso, c'est un problème qui... Mais voilà, non seulement que le président, il ne sanctionne pas, donc, et comme il y a la moindre course, il y a un milliard. Ou bien il y a Zananda qui a bouillé, il y a Zana Mituka qui a bouillé. Non, c'est-à-dire que l'impunité, c'est le grand problème, mon frère Arissimo Bibisi. Ce qui n'a un jour Zana à faire aux affaires au Congo, un truc comme ça, tout de suite, tu es sanctionné. Chaque membre, déjà même quand il se présente, il doit dire voilà mon patrimoine, voilà ce que j'ai, et quand il part, voilà ce que j'ai. J'ai eu pendant le laps de temps que j'ai été aux affaires. Maintenant, de nos jours, les gens ils font ce qu'ils veulent, les gens viennent en politique tout simplement parce qu'ils veulent s'en mettre plein. Tous les candidats se retrouvent, on dit Motona, Moto, Ayana, Projina, Yozo, Lobani, Nipona. Déjà, Batouana, Bazala qui est déjà n'a pouvoir, Basa la paix, moi, Bilan, Nabango, maintenant, Bisso. Bato ya hors système, to koya pe na projet na biso e gozala menon débat contre débat, faut peuple amon na bozo proposer nini. Oh bon biso to sali boye bon yo sali yango. Bon admettons, tu crois que par exemple Aristide na pe si yo par exemple équivalent ya 100 francs par exemple CFA. Na 100 francs CFA vous allez qui par exemple na possibilité à quoi ça la projet, admettons même il y a 90 francs CFA. Au sali projet à 10 francs CFA et puis tu es fier na sali oh yo na tongi oh yo, alors que tu pouvais faire plus que ça. Non, il faut des véritables valeurs. On doit se battre pour cela. Et c'est vital, mon frère Aristide, pour les prochaines générations. Regarde, le baril du pétrole est au plus bas. Je ne te cache pas, mon frère Aristide, mon inquiétude, c'est surtout à ce niveau. Je ne sais pas, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent, par exemple, que le président va partir. Mais on ne sait pas dans quelles conditions on va nous laisser ce pays. Je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, sur Internet, que même l'Angola risque d'être en faillite. Donc ça veut dire que pendant longtemps on a misé sur le baril du pétrole, il faut maintenant des mécanismes pour diversifier notre économie. Et pour diversifier cette économie, nous devons tous le faire ensemble. Le sens de ma candidature aussi c'est dans un but constructif, non dans un but d'affrontement. Le Congo ne peut pas se faire qu'avec les gens qui sont sur place. Le Congo a besoin aussi de sa diaspora. Voilà, effectivement, et la diaspora peut beaucoup apporter. Nazo loba naba tata na biso bayaya na biso biso ba toi diaspora toza ba enemi na binoté. Mais pourquoi quand quelqu'un de la diaspora arrive sur place, vous avez peur? On est là pour qu'on travaille tous ensemble. Voilà. Braza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Fimbona Fimbo gaz na gaz. Bertrand qui sont candidat à l'élection présidentielle. Boyi maramba lobby. Vieux Dengues, prépare-toi pour un débat parce que tout le monde va débattre. Nouvelle République, tout le monde qui a un pays, il faut les gagner débat. Parce que nous avons un Facebook, ça a 60 heures de vie politique sans débat. Vieux tout le petit nom pire, petit nom bébé ici. Bandaka déjà entraînement à débat. Mais ceux qui sont maintenant tous les gagnants, la diaspora qui ne vote pas. Bon, pendant des décennies, tu as voté. C'est pas normal.
bon yo suis content que candidat diaspora soit comme président parce que nganga batumi déjà dans au moins déjà 13 000 adhérents dans le club là ou l'équipe déjà PCT dans ma militant yo l'équipe déjà PCT dans ma militant parce que PCT on va sur ma militant mais yo PCT va tomber en côté yo son bité yo l'équipe déjà PCT dans ma militant yo l'équipe PCT dans ma militant PCT bango va PCT va tomber pour pas qu'il y ait un meeting là bango. Bon, si quoi yo tant comme président la diaspora que voter après yo maman différence n'est qu'aux alanini na vieux dengues on a nini diaspora et voter donc ba congolais la diaspora baza batoté baza batoir ici mon bébé ici bien au contraire mais je ne comprends même pas j'ai jamais compris mais pourquoi la diaspora ne vote pas ça n'a pas de sens donc c'est comme si bazo toza ba congolais à seconde zone malheureusement la diaspora la majorité a batté le sud. Bon, débat où on a, il y a Batoua le Sud, il y a Batoua le Nord, on a Ninga Kangote, il y a Rissim ou BBC. Moi, je suis plus dans une optique, Toza Bissonio Soto, bah, congolais. Donc, débat le Nord, le Sud, bon, ça, bon. C'est un ayo qui en est pas un ayo, hein. Mais bon, moi, je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, pour moi, je me bats pour tout le Congo, je pense Congo. Mais c'est vrai que la diaspora, effectivement, elle doit voter. Et même deux fois parfois, soit disant qu'on a voté en gros, deux fois, bah, ça la kabbaliste n'a pas moko, bah chiffre n'a pas moko. Donc même ceux qui diaspora ont voté, bah coco falsifié, bah ça n'a bon mot à battre la diaspora pour l'année. Bien au contraire. Je suis dans une banque, je travaille dans une banque panafricaine qui est présente dans plus de 17 pays africains. Et je vois ce qui se passe dans d'autres diasporas. Et comment ces pays-là aussi font en sorte que leur diaspora émerge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut critiquer la diaspora congolaise. Elle ne fait pas beaucoup d'actions peut-être vers le pays. Mais est-ce que ce pouvoir qui est là favorise aussi cette diaspora? Je peux te prendre mon exemple, mon frère Aristide, mon BBC. J'ai tenté aussi quelque chose au Congo. À un certain moment, Nazalaki n'a compte Nanga, Awanapoto. Nazalaki n'a société Nanga. Là, je suis revenu salarié. J'ai tenté en 2009, Nakene Kinamboka, Nafongoli société Africacom. Je voulais travailler dans la téléphonie, comme opérateur voix sur IP. J'arrive sur place, Nasalibado, Senior Soto, Nafouti Bambongo, y'a notaire, tout. J'ai tous les papiers. Je mets en place la société. On me fait un devis au ministère des Télécoms. Enfin, pour commencer, je crois qu'il fallait 15 millions de francs CFA. Bon, j'ai dit, bon, avec tout ce que j'ai déjà fait pour la constitution du dossier de l'entreprise, Naza Nangote, j'ai négocié pour payer plusieurs fois. N'a avancé 2 millions de francs CFA. Naza n'a pas facture Nandako. N'a avancé 2 millions. Et pendant que je veux maintenant me mettre en place pour commencer l'activité, on me dit que la voie sur IP n'est pas permise ici au Congo. Vous n'avez pas le droit d'exercer. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. N'a komaki dessus. Et je crois que c'est peut-être la dernière année depuis Nazonga Mbokate. J'ai mes factures. J'ai laissé 2 millions au ministère des Télécoms. On me dit que l'État est une continuité. Bon, j'espère qu'un jour... Bon, à l'époque, le ministre de tutelle et Zalaki et M. Mongala, mais je ne veux pas dire qu'ils ont peut-être forte et à M. Mongala, ils ont administré Naïe. Ce n'est pas lui qui a encaissé les sommes, mais Zanazan n'a pas facture. Et comme l'État est une continuité, mais si je n'exerce pas dans les télécoms, à un certain moment, on a réclamé à Taba 2 millions d'anga, ça peut toujours servir. On a trésor public congolais. On travaille dur à la sueur de nos fronts pour gagner notre pain quotidien. Nous arrivons pratiquement au terme de notre émission. Nous travaillons dur dans la diaspora pour gagner notre pain quotidien. Éviter vie à facilité, car la vie, ce n'est pas la facilité. Quand vous êtes habitué à la facilité, on peut vous manipuler facilement aussi. Mais moi, je suis resté de mon bébé, c'est un lien à Camino parce que je suis un homme à mon côté et personne ne peut me dire quoi que ce soit. Au repas, je suis un homme à mon côté. Je suis un homme à 4x4, je suis un homme à palais, je suis un homme à mon mini, je suis un homme à tout. Je suis complet. Donc, monsieur Tissangou, on arrive à partir de notre mission. Moi, de la fin, je suis un homme à tout bas. Je suis un micro. Je suis un homme à tout bas. Projet, parce que je suis resté de mon bébé ici. Et mission, je suis un Congo, tu étais là. Donc, tu es un français pour une élite. Tu es un master qui a été 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 un naba leki ya munu ba yaya munu ba mama beto munu mwana beno
Bertrand Kisangu. Je vais vous présenter que dans l'élection présidentielle il y a Congo, il y a 2016. C'est vrai, je suis en train de boire, mais je suis en train de boire, mais je suis toujours en train de boire. Je suis en train de boire, mais je suis en train de toujours betri vana wana mputu betri kwa que maman pour oh masa propre quel élevé courant quel élevé il faut que babi maina ya ku changer mbwala beto Congo betuka 4 millions je crois et demi betri na ba potentiel mingi si bantu ke vena ntima yimbi parce que même ba congolais nyo surtout si ba que même na babi mbevo les ba que kona na l'hôpital ba que se soigner sans même kufuta. Non, même chaque Congolais n'a pas de revenu. Donc, sans la candidature à mon nom, c'est pour dire que, ah, bête nous surtout, n'a moins de richesse que n'a bête ou yaï. Ou à façon bête le n'a que ça là, n'a que ça là, en sorte que y a profité n'a pas de nous surtout. En tout cas, si ben voté, sam n'a mon nom, bim a mingi qui changé, n'a boit la yabetou. Babi ma ki changé mouke na kuisa ve na sens ya ku affrontement ya ku noana na bantu ve mouke na kuisa na mouzo ah bete na sa la politique na sens ya kaka politique ya kive sa na kuisa la ba na kutali sa bampangi pasi politique ba ke salaya ou sa na kuservi ba bantu sa mba condition ya bantu ya ku yilama politique ya kive sa mouchi ah bantu ya kaka ke bien ba ya kaka ve ya ke mbote ve donc si ben vote sa mna mounou. En tout cas, ma condition mingi ya beno ke ko changer parce que moi na ko kanisa parce que ba bois la mingi ba ke na ba richesse ni nave peut-être na ya ou na Congo. Donc si ba ou na ba bois la ba ou ba misala ba bima mingi peut-être na pétrole, peut-être na ba mabaya, peut-être na massa, ba misi peut-être na sala ba bima mingi. Mais kaka sam na ntima yimbi ya bantu ya kaka ba bima ke na kubonga ka vie. Ben sala confiance à mon nom, si ben voter mingi sam na candidature à mon nom, ben geta la, man pou ke change na bo la beto, et bo la beto ke kwena na mantoala. Matondo mingi, à bientôt.